to your favorite modern world. J'ai découvert le groupe Will en 2021, encore une fois grâce à Stéphane, avec l'album Resident Human, qui n'a pas eu droit à une chronique dans ses colonnes. Un trio autrefois quatuor venu d'Helsinki qui sort avec Charismatic Leaders son troisième album en plus de 3 EP depuis 2017. Il n'y a pas très longtemps, je m'étais justement offert Rumination, un EP 3 titres sorti en 2022 d'un peu moins d'un quart d'heure qui me semblait trop bref pour faire une chronique malgré de très bons morceaux comme le fabuleux Blood Drinker. Je me suis réservé pour leur album en devenir, Charismatic Leaders, qui vient justement de sortir chez Inside Out. Il s'agit d'un disque d'un peu plus de 3 quarts d'heure pour 7 morceaux dont 3 qui frisent ou dépassent les 10 minutes. Will a clairement été marqué par l'influence de Tool, écoutez plutôt Submission, une sorte de métal progressif alternatif, pas forcément très typé, mais qui s'écoute admirablement bien. Ils possèdent également un je ne sais quoi de Soane dans leur manière d'aborder le métal progressif, même si un titre comme Porcelain nous ramène clairement plus vers du grunge. La section rythmique est au cœur des compositions de Charismatic Leaders, souvent à la frontière du djent, avec une basse très présente, même s'ils n'ont plus de bassiste, et un chant relativement neutre, mais nettement plus agressif, à la limite du growl parfois. Il faut dire que dans Charismatic Leaders, le groupe s'attaque aux politiciens avides de pouvoir qui gouvernent notre planète, un vaste sujet qui peut fâcher. Au milieu de ces 7 pistes, Disciple fait bande à part. Il s'ouvre sur quelques notes de violoncelle, s'appuie sur un duo basse-guitare très rythmique et débride un chant resté jusqu'à présent très contrôlé. Il est suivi par l'unique et très court instrumental andalou Caught in the Afterglow, qui lance le titre final de plus de 10 minutes, le magnifique The Freeze. Un morceau à deux vitesses, d'abord lent et récitatif, qui, dans sa seconde moitié, libère toute l'énergie retenue dans les 5 premières minutes. Nous y retrouvons une des trop rares sections instrumentales de cet album très chanté, où guitare, basse et batterie s'affrontent pour une poignée de secondes. Même si Charismatic Leaders n'est pas le genre d'album écrit sous la forme d'une sinusoïde, mais plutôt de manière assez linéaire, il n'en reste pas moins addictif et le plus souvent, malgré sa durée, il n'est pas rare que je le repasse une seconde puis une troisième fois au casque. Je ne peux donc que vous le recommander chaudement, même si YouTube va encore bloquer cette chronique dans certains pays. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle merveille. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez suivre les autres, faites comme plus de 180 personnes aujourd'hui, abonnez-vous ! Bisous !